Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté et à qui l'on attendait nous sur TV La Caille. C'est avec plaisir d'entrer La Caille où nous sommes capables d'informer vous de toutes dernières informations qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Zak assassinat ou continue à faire dans le pays. Hein. Ça, plus grave toujours par rapport avec ça qui est arrivé. Evelyne Sincère là par rapport avec Jean Safetla. Mais malheureusement, nous, ça n'a pas fait trop écho dans la presse. Même Jean. Ça t'est arrivé, Evelyne Sincère, ni dans la communauté haïtienne. Non? Eh bien, yon jeune demoiselle, lui-même, côté, eh bien, bandit ça, qui t'a fait quoi, c'est même ménage l'île d'Aïe, yon t'a soutenu en activité ensemble. Eh bien, côté, monsieur arrivé, et lui prend mazel, lui touye lui, non seulement il touye, lui coupe tête, lui pour, lui fin coupe tête, lui retire Kéa, et après ça, lui lague, tire cela, soupile fatra, et yon est en jeune, ça va même qu'à mettre dans le cimetière, ça va quand même aller dans la morgue, c'est courir directement enterré lorsqu'il était gâté. Pour plus de détails, on nous entre en dans l'information. Par rapport à même pratique insécurité et ça, et nous apprenons gagner une jeune dame qui a joué un cadavre enragé après. Un jeune garçon a identifié ta kidnappé en nouvelle qui soulevait la colère. Déjà gâté, hein. Oui. La caille population zone ça, en zone qui tranquille, hein, jusqu'à présent. Oui. Mais vous savez qu'on est que pas jeune tête. Oui, pas jeune tête. Demoiselle là. Oui, oui. Et pendant qu'on a parlé là, gagné, si c'est pas zone 5, 6 ou 7 novembre, gagné un directeur à l'école dans zone pleine, non? L'école là, elle est Emex. Je suis habité dans zone tabac, il a assassiné la caille. La caille. Oui, la caille, et peut-être gelé. C'est bah, tête charge. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Donc, pour ça qui a passé comme ça. Oui. La question. Donc, comment va faire arriver dégénérer. Oui. Par exemple, dans le cas ça, et Georges Valens va parler nous là. Donc, il dit non que il joue une demoiselle là sans tête. Oui, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de bras et il y a un autre école. Oui, un autre école. Ça passait dans la localité Orélie, d'antan, dans la zone Tombec. Georges Valens, bonjour. Bonjour Pierre-Ydel, bonjour Guerrier, bonjour et Bobsy, nous saluons tout le monde qui attendait nous sur différentes stations radio. Dans le sud d'un pays, tant que les bons FM, au CAI, Radio Planète, Radio Télé La Brise, Cambiré, et Radio Fraternité, dans Port-Salut. Effectivement, j'en ai fait remarquer là, la police nationale sud, joue un cadavre à Nice-Boiron, c'est hier après-midi, en Bayon, Champs-Roseau, dans la localité du Rocher, deuxième section commune Tombec. L'issue une jeune fille, en 22 l'année, qui était enlevée dimanche 1er novembre dans la Astroué, après une bataille, t'es finan pété, selon la police, dans une cérémonie qui t'a fait dans la localité d'Antan, toujours dans la deuxième section sous la commune Tombec. Comme ça, l'autorité a été jouée dans une partie dans la victime, mais elle n'a pas de tête, elle n'a pas de main, elle prend que lui, elle n'a pas de pied également. Et dans ce sens, elle est arrivée à jouer de Nice et après gros l'appui, donc on est qui était tombé sur le département et puis elle était enterrée en baptême, mais qui vient découvrir hier après-midi. Donc après constat JDP, Jean-Lucien Basile, qui était accompagné Udbo, STCPJ avec un policier dans Tombec, il était remettre un tiret scorio à Joanna, bah, il a famille, qui était en très mauvais état. Donc, un cadre d'enquête qui est déjà l'ouvri, qui est ménage en victime, non, sous contrôle STCPJ dans le moment d'appel là. Et selon inspecteur divisionnaire Jean-Bénel Michel, il y a un avis recherche, là, il y a un vrai suspect, là, qui est un nom, sinon, Enel, ainsi connu, et qui est un vrai suspect, je le dis là, il y a deux opérations dans ce sens qui étaient faites pour arrêter. Cependant, à chaque fois, il y a un marron. Opération, il a continué, d'après responsable départemental police, dans commissaire Jacques Jourel Orival pour arriver mettre main dans en bas code bandit ça bien entendu en bas code selon ça que responsable lui-même lui fait qu'on est guerrier. Information rapportée que c'était non cérémonie demoiselle l'a sorti après combien jours exactement joindre cadavre là. Donc, faut que nous dit, c'est censé après 10 jours, puisque c'était depuis la nuit, dimanche 1er novembre, non, à Souen, en cérémonie l'étape sautille, j'en ai dit, Caillou Ogan, donc l'été ensemble avec un ménage dit, selon ça que responsable de la police lui-même nous fait, donc on est, l'été pendant une bataille, il y a Pierre qui t'a tiré en l'air, et bien qui t'a tombé sur l'autre citoyen, et bien ça te permet de gagner un gros panique de discussion qui est donc en bataille.
eh bien c'est dans moment citoyen ça que nous dit là qui pourtant nous inel les mêmes litées offrir pour by willib à jeune demoiselle ça eh bien pour t'aller déposer la cali et sans aucun refus eh bien l'été accepté selon information et bien c'est depuis lors dans la nuit là et il y a pas jamais moette dame qui donc depuis dimanche 1er novembre qui se passe mais nous apprend tout selon bon côté on se bon côté la police que parents il était en contact avec Inel ça qui est ta principale auteur selon information mais l'ipat entendre by et mademoiselle là qui est tuée très malheureusement et dans ce sens-là donc information est en vie fait comprendre tout que c'est un cadre cérémonie mystique donc qui est arrivé fait mais jusqu'à présent pas qu'on ait vraie confirmation puisque pas de guillet et rançon qui était exigé dans ce sens-là donc la police je veux dire là a pas continué à mener enquête pour arriver mettre main sur citoyen ça qui les mêmes ta commettre action ça qui actuellement dans ma d'après la police. Que risque quoi d'ailleurs par autre intérêt parce que pas de moyens pour faire rien avec pas qu'à mettre la mort. Oui, bien sûr, depuis hier après-midi, puisque il était remetté par la police, par année, en très, très mauvais état, faut que nous disons que l'autorité, c'est un peu à distance, que il était campé, et non seulement pour être capable de gagner de cette photo, et malheureusement, bon, nous pas fait, c'est vraiment un très, très mauvais état, puisque vous comprenez, après, il y a eu plus de 8 jours en bataille, et puis, l'eau qu'il avait quoi la lit donc vraiment il était dans une situation très difficile et puis il faut que nous dit rapidement guerrier dans l'autre information dans le département c'est confusion totale dans différents arrêtés qui sortit pour remplacer une pile administration communale dans le sud pays et bien chaque commune qui concerne yo t'a gagné 2 conseils intérimaires qui nommé dans tête yo arrêté ça yo sorti dans moins que 6 jours yon de l'autre cependant tous des arrêtés qui sorti yo même daté même les qui c'est 2 bagages différents situation qui l'a gagné une confusion totale dans les voies d'administration communale yo côté personne pas on est qui laisse exactement cap diriger ces communes ça yo pour protester contre situation ça gain coordination départementale PHTK sud qui mettait en face président Jovenel Moïse pour dire non yo pas d'accord avec politique que gouvernement a mené dans sud pays pendant dirigeant PHTK dans région Alexis Pierre Evans longe droit sous délégué départemental là comme responsable et ben il a annoncé à partir de jeudi mercredi là il a commencé fermer porte toute mairie qui dans département à l'exception Campiré Maniche avec Okay selon ça le fait qu'on est, il n'y a pas cloué et puis soudé ou bien mettre bloc dans toute entrée administration communale Sayo pour dire non contre la politique chef d'État dans le sud. Responsable PHTK a mandé, qui mandé révocation tout de suite représentant exécutif dans le sud avec vice-délégué pour éviter pita papitris, monde qui pral vini dans tête mairie yo doit sortir dans un accord politique au lieu intérêt yon petit groupe médecin. Dans ce sens-là, il fait qu'on est que déjà écrit chef d'État avec un premier ministre selon Alexis Pierre Evès pour mettre au courant des actions qu'on va entreprendre à partir des jours d'hier là dans le sud pays pour dire non qu'il n'y a pas d'accord avec un président et à fermer 15 ou 18 administrations communales qui dans le département selon ce qu'on fait connaître en conférence hier. Voilà, merci un peu, Georges Valens, correspondant permanent, nous, qui t'a informé depuis Okay, nous apprenons, direction centrale police judiciaire DCPJ, après enquête, il y a mené pendant plusieurs mois, interpellé citoyen ça, qui relève James Samper, dans la date 7 novembre passé, à Delma 89, pour implication dans l'assassinat policier Robert Scut, qui était fait 6 juillet 2018. On a rappelé, selon la police nationale d'Haïti, policier Robert Scut est affecté dans direction administration pénitentiaire DAP. Dans commencement événement 6-7 juillet 2018, il était mouru et puis il était boulé cadavre dans Delma 83. L'aile a essayé de traverser une barricade pour que là suspect à James Samper li nan men TCPJ poursuite judiciaire. Interpellation, kidnapping, assassinat, exam, yon jeune dame yon découvri cadavre coule tête li rache nan yon jardin abandonné nan sud pays a disparition tout voilà pour nouvelle yo
matin, disparition, gagnait Damsa qui avec nous en studio, qui gagnait plusieurs semaines depuis Eli et Power Petitli, qui était 21 années, qui sont DJ, qui sortit, qui pas rentré, 27 ans, ou Ababano.